Alors c'est parti. Quoi? On va découvrir ça. Les Lucioles? Baisse-toi! Ah bah c'est la fin de l'histoire ça. Putain, mais c'est qui ces types? Ah non, 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 c'est pas la fin. Ah c'est pas loin quoi. T'approches pas! Joël! Mets ton bras sur moi! Ouais, cette scène-là, on l'a faite hier. Avant-hier. Ah, c'était l'avant-dernière session, quoi. Bien chaud ce passage. Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Salut Lobest, comment tu vas ? Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Bah, disons que Nedrine, en fait, il a été diffusé massivement depuis déjà hier, en fait. Là, si tu veux, le problème se poserait pas s'il y avait qu'une ou deux personnes qui l'avaient. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde l'a, en fait. Il y a plein de gens qui sont allés l'acheter. Il est disponible à Auchan, Carrefour, Leclerc, où tu veux, quoi. C'est ça qui est un peu troublant. Bah, ça va, nickel, écoute. Du coup, on se teste le DLC de Last of Us. Il était sorti sur PS3 aussi. Hein. Ça, c'est pas très intelligent, ça. C'était super drôle. Non. C'était pas drôle du tout. Je t'ai pas vu depuis... Je sais même pas combien de temps. 45. Ouais, mais... Tu sais, je crois partout, hein, Nedrina, du coup. 46, techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Moi, pour moi, la faute, elle est plus... Il faut pas qu'ils envoient les jeux si tôt, quoi. J'ai cru que t'étais morte. Ouais. Et il faut qu'ils bloquent plutôt les distributeurs, mais tu vois, après, sur Twitch, du coup, le mal est fait. Enfin, les gens l'ont tous acheté, donc... je trouve ça un peu dommage, en fait, de bloquer. Toujours pas de coloc? Surtout qu'après le stream, tu regardes ou pas, quoi. Tu sais à quel point cette fille pue. Rien n'est obligatoire. C'est un pendentif des Lucioles, d'accord. C'est Riley. T'es une Luciole. Ah, elle, c'est une Luciole. Ok. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est vrai que t'as pris... Luciole dans ma piole. Détends-toi. T'as pris le ultimate, toi, Nedrine. À 200 et quelques, là, c'est ça? Tiens, félicitations. Hé hey. T'es fâchée? Si je suis fâchée, j'ai disparu et tu m'en veux. Et je te dois une explication. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour. Et j'ai un entraînement militaire. Tu sais, celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, les animations, elles sont vraiment bien faites. Hein. Oh la vache. Je suis trop débile. Le gavage. Oui. On a déjà eu des ennuis, toi et moi? Oui, sûrement, j'imagine, si elle pose la question. Merde! Allez, il me faut quelque chose! Fais chier! Voilà. Ok, je vais te retourner. D'accord, donc on revoit les scènes. En plus, il caille à ce moment-là dans l'histoire. C'est l'hiver. Ah, le trou, quoi. Ouf, c'est très bien fait. Sans désinfecter, t'as pas intérêt à être... Avec le pack Lobest, t'as une figurine de Noctis. T'as tous les Blu-ray de Brotherhood, t'as le Blu-ray de Kingsglaive comme sur la Deluxe. T'as des photos, t'as un steelbook, un artbook, je crois aussi. Il est assez complet. Hein. Mais bon, 270, ouais. C'est le prix d'une console, quand même. Mais il en vaut le coup, quoi. Je vais faire super vite. Je te promets. En fait, dans l'histoire, on a mis un peu de temps, quoi. On a mis un petit peu de temps. Alors... On repart d'ici? Ah, puis j'ai carrément pas beaucoup de vie, en fait. Ok.
vais où maintenant? Ah, bah moi je pensais qu'on revenait en fait sur son histoire quand elle était plus jeune. Bah, je suppose que s'il montre ça, c'est sûrement qu'il faut aller à l'étage. Et je voudrais vérifier si on peut pas récupérer des petites choses au rez-de-chaussée. Bon, j'espère qu'on se l'est pas pété trop et qu'on n'a pas mis un niveau de difficulté trop élevé, quoi. Est-ce que je peux ouvrir des casiers là, non? Tu l'as pris sur quoi? Sur PC? Il n'est pas annoncé sur PC. FF15. Et par là, je peux me barrer. Ok, on est revenu. Donc il n'y a rien de spécial en bas. Ah, PS4, d'accord. Tu m'as fait peur. Je veux dire, alors là, j'aurais omis quelque chose. Tu me diras, bon, moi, mon PC, il l'aurait de toute façon fait moins bien tourner que sur la PS4. S'il va y avoir des ennemis par là. Parce qu'en fait, on se retrouve dans ce centre commercial, mais en hiver. Ce qui est assez étrange. Pour l'instant, on ne sait pas trop si elle veut sortir ou pas, en fait. Alors, là, je reviens sur... D'accord. Ok. Je pense pas que ce soit par là. Déformation PC Master Face. Master Race. Ah, attends, on a peut-être quelque chose là. Non. Chou blanc. Chou blanc, chou blanc. Alors du coup, oula. Oh putain, elle a pas le... Oh putain! On n'a pas le sens d'écoute. En survival. Ça va être super génial. Ça, je ne sais pas où ils sont du coup. Tu me diras, je m'en servais pas toujours beaucoup. Ah, je me suis mis en difficulté presque maximum en fait. Il manque juste le niveau au-dessus après. Je le sentais pas. Pharmacie Weston. Pile poil ce qu'il me faut. Ah, c'est ça, elle cherche des médicaments. De toute façon, on va pas les trouver là parce que je sais ce qui se passe après, moi, du coup. Ah, attends, c'est trop facile. Ça peut être utile. Je rêve. Il a gobé les médocs et laissé la boîte. Putain de merde. Ça sent la boîte qui va tomber, tu sais. Ça pue à fond. Ah bah ça c'est sûr que c'est assez cher. Après ça vaut le coup, puis tu peux le faire évoluer. Ce qui est bien, c'est d'avoir les deux. C'est ça en fait. La Évidemment, technique. ils ont tout dévalisé. Ok. Pour l'instant, on fait un peu chou blanc. Là, tout est pété. Ah, t'as rien un truc là. Qu'est-ce qu'elle a trouvé?
En tout cas, du coup, j'ai testé le début d'FF15 et c'est vraiment génial. C'est grosse, grosse, très grosse, très, très grosse tuerie. Ça calme un truc de fou, ouais. J'adore. Tout, la musique, l'ambiance, les univers. En fait, ce qui est rigolo, c'est que quand tu le fais, tu penses à FF7 en fait, en te disant, putain, si ça avait été comme ça, c'était énorme, quoi. Il y a des choses qui sont extrêmement bien gérées, ouais. Putain, il n'y a rien, hein. Ah, c'est peut-être prévu que je trouve rien dans cette pharmacie. Hein. Ah, attends. Allez. Ah, en plus, il y a un kit de secours. Et comment je fais pour entrer? Génial. Alors là, il manque. Ah oui, il faut une clé, d'accord. Clé nécessaire. Alors, trouvons la clé. Trouvons la clé. Bon, ça n'a pas l'air d'être ici. Ah, attends. Peut-être qu'on va avoir une indication ici. Le pharmacien. Il aura peut-être la clé. Alors, le pharmacien est devenu fou, m'a attaqué, je l'ai frappé assez fort. Il est inconscient, je l'ai enfermé dans le magasin américain Princess à côté. Aidez-le, s'il vous plaît. Le code est 35 30 31. Et ouais, et je pense que. Je pense que malheureusement. Ouais, je pense que malheureusement il s'est transformé. Il devait être infecté. Alors là-bas, de toute façon, on ne peut pas avancer plus. Je peux pas passer non plus. Ok, alors on va essayer d'aller dans le magasin d'à côté. Ah, Pixie Tech. C'est plus ça, ouais. American Princess, voilà. Oui, c'est un champignon, c'est vrai. C'est un champignon. On peut dire que c'est. Ouais, c'est pas vraiment un virus en fait. 35 à droite. On peut dire qu'il est infecté. À gauche. 31 à droite. Par le champignon. Impec. Comment faire joyeusement du bruit? Merde, des spores. Ça s'annonce. Si vous voulez me sauter dessus, me faites pas non plus poireauter. Ça s'annonce pas glop. J'essaye d'écouter. J'entends rien. Ah, puis avec des poupées et tout. Tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste. Ah putain. Ah, c'est bien crade. Le champignon s'est bien installé. Y a pas de doute. Ah bah il est là. Ah oui, bah lui il a eu le temps de bien se. Putain. Merde. Putain. Ok. La clé, la pharmacie, c'est parti. Ah, il a écrit quelque chose. Ah non, il a fait des photos avec sa femme. Merde, putain, c'est con. Ah si, il a écrit quelque chose. Pense à moi pendant mon absence, tu vas me manquer, mais pas trop, Laura. Ok. Ah, le pauvre. Ah, c'est moche de finir comme ça. Allez, get back again. Comment regarder s'il n'y a pas quelque chose derrière là-bas? Juste ici. Ah putain.
Bon, à partir de là, il va falloir commencer à faire gaffe. Attends, je voudrais voir s'il se retourne ou pas. Putain, c'est chaud. Si on peut les attaquer. Ben non. Ok. Donc on peut pas se les faire. Ok. Avec elle. Donc il faut faire gaffe et juste bien bien gérer. Je vais récupérer juste le truc. Ok. Bah, moi je pensais qu'on allait le, tu vois, qu'on allait le voir en fait dans l'FBI, en fait. Je pensais que ça se tournait vachement là-dessus. Mais si, j'ai des balles. J'avais pas de flingue tout à l'heure. Si, j'en avais un. Je sais plus. Ah, j'ai un flingue, mais j'ai pas de balles. Ok. Il va partir de l'autre côté. Nickel. Parfait. Ah d'accord, ok. Oui, c'est ça, il était beaucoup trop cher, ouais. 30 boules, tant que ça. Ah, je pensais que c'était 19, tu vois. 30, ça fait carrément très cher, ouais. Et... Ah non, y a rien. Ah, le fail ultime, quoi. Ah merde. Ah, elle a pas de peau. Ça, c'est très intelligent, ça. Oh, un hélicoptère de l'armée. Ah, cool. Il aura sûrement ce qu'il me faut. Bon, il n'y a rien d'autre sinon ici? On sait jamais. Accroche-toi, Joël. Ah, attends, il y a des trucs quand même. Non. Là, il y a des trucs. Passer par là peut-être. Alors est-ce que je peux passer ici? J'ai pas l'impression. Là je peux. Pour l'instant il n'y en a qu'un, c'est facile à gérer. Attends, il y a peut-être un truc à côté. Non. Merde. Putain, la mauvaise idée. Jean-Michel qui choisit mal le passage. Peut-être passer plutôt par là. Faut bien choisir son passage en fait, c'est ça le truc.
Oh, des jolis vernis. Génédrine le level up. C'était un salon de maquillage et tout ça en fait. Sympa. Prendre déjà le bouquin. Enfin, le note de salon de beauté. Alors, adjudant-chef Larry Caulfield est mort en héros cet après-midi. Regagnons la zone de quarantaine. Quand le patient s'est transformé, il avait dû être contaminé par des spores, car nous n'avons relevé aucune trace de morsure. Le patient a rompu les liens et a attaqué leur pilote, l'adjudant Sim Brandon. L'hélicoptère était devenu incontrôlable et tourné sur lui-même, mais l'officier Caulfield a réussi à repousser le patient infecté. Non, pardon. Nous sauvons la vie à tous. Nous nous sommes écrasés dans les cendres commerciales de Colorado. En pleine campagne, le soldat Eugene Ellis, l'officier Caulfield et moi étions les seuls survivants. L'officier Caulfield a été mordu au cou par l'infecté pendant l'attaque. Il nous a immédiatement montré la morsure. Acceptant son destin, j'ai appliqué le protocole d'infection avant que l'officier Caulfield ne puisse se transformer. Puisse-t-il reposer en paix? Dommage. Ouais, c'est. Et du coup, Je crois pas faire de suture. c'est l'infirmier médical, ça. Bon, je me contenterai de ça. Ouais. Puis en plus, ça a pas l'air dégueulasse du tout. C'est bien, c'est un kit de soins pour elle. Très bien. Salut Céral, comment tu vas? Faut que je réussisse à atteindre cet hélicoptère. C'est parti. Et là, ça sent Dépêche. mauvais. Là-haut. Ah. On revient peut-être en arrière dans l'histoire. Oui, c'est ça. Flashback, flashback. Chaud, hein? T'as été rapide. Je suis bluffée. Merci. Allez, viens. Oh, GG, ça y est, elle est arrivée? Dis, comment tu t'y es pris? Elle est assez Une courte, luciole? l'obèse, apparemment. Ouais. C'est genre 3-4 jours, 3-4 heures, pardon, 3-4 Tiens jours. la luciole que t'as Ce serait mordu pour énorme. lui piquer son flingue. Ouais, je m'en GG, ça y est, souviens. rôle. C'est Trevor. Je te rate. Un jour, je l'ai vu marcher dans la Bah ça va, forêt. écoute, du coup, comme on peut pas streamer Il a voulu FF15, faire une j'essaye de parade, streamer un mais petit je lui peu ai dit. de. Elle m'a emmené droit dans leur plan. Attends, j'écoute ce Marrant. qu'elle dit. T'as eu peur? Carrément. J'ai cru que cette fois, elle allait me trucider. Je stream du coup un petit peu du DLC de Last of Us, en attendant d'avoir le droit de streamer Et FF15, t'es ce qui est juste toujours pas le cas. devenue une luciole? C'est un peu ça. Le coup de l'embuscade pour me tuer, Malgré le c'était fait un que tout le monde test. l'ait, hein, du coup. Elle voulait être sûre que j'étais motivée. Oh. C'est hyper classe, quoi, du coup, ce qu'ils... les écritures sur les murs et tout ça. Les qualités de texture de Last of Us, elles sont assez bluffantes, quoi. 4 jours, ce serait tellement bien. Non, non, ouais, 4 heures. Donc là, on se retrouve en fait en flashback à ce qui s'est passé avant entre Ellie et sa copine, Riley. Et on va peut-être en apprendre un peu plus. Donc là, je pense que c'est peu de temps après les infections. Enfin, quand même, si. Quelques années, puisqu'en fait, elle est jeune. Ça doit faire au moins quand même. Si, ça doit faire au moins. Oui, au moins 5 ans, ouais. Facile. Peut-être même 10. Donc c'est clair que non, avec elle en fait on va pas voir le patient zéro. Par contre je pense qu'on va voir quand est-ce qu'elle se fait mordre et qu'est-ce qui se passe. Et on risque de voir ce qui va se passer avec sa petite copine aussi. Avis de recherche. Version Deluxe, le best. C'est le coffret métal avec Kingsglaive à l'intérieur, les DLC, et puis comment le. Et puis voilà. Ouais, ils ont tout, ouais. Normal, collector, Day One, tous les magasins le long. Recherché pour appartenance Luciole, héroïne. Ah, bah c'est elle, c'est sa petite copine. Riley.
Ah non, 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 même pas. Elle pose des questions sur toi. C'est la mère de Riley, je pense. Elle dit que tu lui rappelles ta mère. C'est celle qu'on retrouve à la fin du jeu, en fait. Je sais plus comment elle s'appelle. Marlène, je crois. Marlène, sa sœur. Elle va vouloir absolument récupérer Ellie, puisque Ellie, du coup, va représenter un réel intérêt de par le fait qu'elle est immunisée contre les spores. Leclerc, c'est en France. Allez. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a peut-être pas en Belgique. Non, mais en Belgique, il y a plein de gens qui l'ont, hein, donc je pense que tu dois pouvoir le trouver. C'est vachement bien fait. Hein. La flotte, là, du coup, l'inondation. Waouh. Pour ça, moi, je comptais à ce qu'ils enlèvent en fait l'interdiction de stream, tu vois, aujourd'hui ou demain. Je trouve ça un peu ridicule de maintenir jusqu'à mardi, étant donné que déjà tout est vendu, donc il n'y a plus de spoil, les gens ont déjà avancé. Mais bon. Avec qui tu traînes ces temps-ci? J'en sais rien. Pas grand monde. Même pas avec Tino et ses potes? Comment ils vont? Même pas. Riley, ce sont tes amis. Pourtant, tu leur parles bien. Ouais, des fois. Ah, vendredi, d'accord, ok. C'est étonnant parce qu'Amazon, normalement, ils se débrouillent pour que ce soit à temps, quoi, au niveau de la date. Ah, tu l'as peut-être préco plus tard, non? C'était quoi là-bas? Non, c'est rien, j'ai rêvé. Enfin, j'aimerais bien faire le plein, en fait, d'armes surtout, de munitions. Ça puisse peut-être nous sauver. Tu me diras, je pense, vu le niveau de difficulté que j'ai pris, c'est peut-être pas une très bonne idée de tirer dans tous les sens. Hein. Pas ouvrir le frigo comme dans Resident Evil? Non. C'est un appartement qui est quand même super crade. Même dans l'histoire principale, on en a rarement fait d'aussi crade. Ah, les lucioles. Et t'as trouvé la lumière? Oh, ah, ah, ah. Oh, désolé, je voulais pas me moquer de votre démarche. Bon, alors... Non, mais je comprends, Nedrine, mais du coup, rien n'oblige en fait de regarder, tu vois. C'est ça en fait le truc, c'est que moi il y a par exemple quand je regarde des streams, il y a des jeux que je n'ai pas encore et je regarde le stream ou je le regarde pas en fait, je choisis, mais j'oblige pas la personne à ne pas le streamer tant que je ne l'ai pas, tu vois. En fait c'est plus ça qui me dérange, c'est l'interdiction, c'est bloquer les autres alors qu'il n'y a pas à bloquer si tu veux, c'est surtout quand c'est diffusé en masse, tu vois. En fait la date de livraison, de sortie de jeu, elle a plus de valeur maintenant, étant donné qu'ils distribuent le jeu à tout va. Ah oui, non, c'est bizarre. C'est étonnant quand même le best, ouais. C'est le principe de bloquer qui me gêne. Moi, quand il y a des jeux neufs qui sortent et qui sont stream... Ah. 30 jours, mon cul. Les gens seront infectés tout le temps. Ils le cachent bien, c'est tout. C'est clair. Me dis pas que t'es tombé sur d'autres infectés. Même que pour l'initiation, ils m'ont demandé de tuer. C'est... En fait... Ah, ils lui ont demandé de tuer un mec. Ça, les lucioles, c'est des gros enfoirés en fait. Faut pas faire confiance. Bah oui, mais bon, je veux dire, le mal est fait maintenant. Et c'est fréquent les jeux où la date est pas respectée. Il y a très fréquemment sur Twitch des jeux qui sont streamés avant la date de sortie et personne n'en fait un pataquès quoi. Mais là, parce que c'est Final Fantasy, du coup, c'est le drame, quoi. Parce que Twitch, en fait, s'en fout. Hein. C'est juste qu'il y a des gamins qui s'amusent à report et qui font fermer les chaînes. C'est dégueulasse, quoi. C'est hyper beau, par contre, là. C'est sur les toits de la ville de nuit, comme ça. C'est canon. Oh, merde, planque-toi! Qu'est-ce qui se passe? C'est la Fédé. Ouais, et fédéraux. Mais bon, moi je respecte les gens qui veulent pas venir le voir. Ça, par contre, il n'y a pas de souci. Je trouve que. Moi, je me suis justement grillé aucune scène, quoi. J'ai rien voulu regarder. Eh, dis. Et si je rejoignais les lucioles? Mais pour les gens qui hésitent encore à l'acheter, tu vois, ça peut être une bonne idée, quoi. De venir voir comment c'est, poser des questions, bah, le classique du stream, quoi. Je n'étais pas censé venir te voir.
En quoi ça la concerne? Elle a peur que je te crée des problèmes. Mais bien sûr, j'ai pas besoin de toi pour me mettre dans le pétrin. Je la suis, hein. Pour l'instant. Hé, hey, tu te souviens la première fois où je t'ai amené ici? Qu'est-ce qu'on fout ici, Riley? C'est quoi? C'est un... Quoi? Liberty Gardens. C'est un dinosaure? C'est un musée, en fait? Faire la paix si c'est un dinosaure. Je dirai rien, tu verras. Ah la vache, carrément. Micromania. Du coup, j'ai eu le bouquin, le fameux bouquin Inside, là, qui est absolument magnifique. C'est une tuerie. Il est hyper beau. Toi, chez Amazon, tu vas avoir le best, le jeu. Un jeu 2D qui a l'air canon. Qui est sur le roi Régis. Tu sais, je les ai repris. Nos pistolets? Siphon Blitz. Tu veux me faire croire que le caporal tête de nœud te les a rendus? Bien sûr que non. J'ai farfouillé dans son bureau. Riley, je les avais dans les mains. Mais tu t'es fait pincer. Bah oui, elle l'a pu. Ouais. C'est con, ça aurait pu servir. Quoique, un pistolet à eau. Corvée de ménage pendant 2 semaines. Les chiottes. Oh, Ellie. Ouais, c'est hyper bien fait, la pluie sur le dôme. C'est vraiment bien géré. Bah, elle a continué à avancer. Qu'est-ce qu'il y a par là? Je vois pas beaucoup, hein. C'est très très sombre là. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil là-bas s'il y a quelque chose. Sans la rejoindre. C'est dingue que Winston soit mort. Tu sais ça? Ouais. Tu sais ce qui s'est passé? Il paraît qu'il est tombé de son cheval. Une crise cardiaque, je crois. Merde. Mais bon, il y a encore combien de morts naturelles de nos jours? Aucune, je crois bien. Tu l'as dit. Putain, c'est bien fait. Même la pluie sur son visage, on voit les... C'est vraiment, vraiment bien géré, quoi. Ah. Quoi? C'est Winston? Ah, je sais pas qui c'est, Winston. Je pense qu'on va l'apprendre plus loin. Bingo. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? T'en veux? Du coca? Ouais. Fais gaffe, c'est pas de la bière. Oh, je t'en prie. Non. Oh, la vache. Tiens. Eh oui. C'est de l'agneau. Ah, la tienne, Winston. Ouh. C'est fort. Elle va être bourrée, quoi. Allez. Ça va être super pratique pour jouer. Ah. Une selle. Ben, sans doute qu'à la mort de Winston, ils l'ont emmené. Pauvre jumeau. Après, dans le jeu principal. Bon, remarque, il y en a plein des chevaux. Non, c'est pas forcément la sienne. Ça se trouve, on va la retrouver un peu plus loin d'ailleurs. La jument. Alors, je continue de la suivre. Je sais pas trop si c'est par là. Si, ça a l'air. Elle connaît apparemment. Pareil, là, regardez les ambiances avec la gestion des particules et tout. C'est vraiment une tuerie. Hein. Ellie, aide-moi à lever ça. Ta carte gold, c'est quoi? Je connaissais pas. Attends, je regarde s'il n'y a pas un truc avant. Non, c'est bon. On va l'aider.
Je déteste cramper là-dessus. Et hop. J'ai toujours peur qu'on se fasse écraser. T'inquiète. Tu me suis. Elle est pas rassurante, la copine. Tu sais quoi? Si on trouvait un autre passage. Ouais. Pas mal. Bah là, c'est mort. À moins qu'on puisse monter là-dessus. Non. Ah, c'est quelque chose. Hé, hey, Riley. Tu sais quoi? Je vais te faire la courte échelle. Ah, je connaissais pas ça, Lobès. Ah, mais ils m'ont rien proposé. Elle est de l'autre côté. Elle va ouvrir. Riley? Ah putain, elle m'a fait peur. Elle s'est barrée, elle m'a laissé quoi. Oh putain. Ah la conne. C'est nul, ça fait deux fois aujourd'hui. Putain, c'était pas drôle. Qu'on soit jamais venu. C'était pas drôle. Viens là, j'ai justement le masque qu'il te faut. Riley. Parfait. Attendez, je vais regarder un truc, j'ai pas. Ellie. Mate un peu ce truc. Fiji, t'es bien? Je vais rentrer ma chienne vite fait. Entre. Voilà. Ouais, désolé. Hop là. Ben, j'ai rien du tout. Pas un seul bon d'achat, que dalle. Ah, les boosters du jeu de cartes. J'ai un pote qui a eu du coup en cadeau la carte. Mais je vais peut-être les recevoir après, Lobès. Je crois qu'il les envoie après maintenant. Les bons d'achat. Oh putain, c'est bien glauque en tous les cas. Ah, tiens, on va prendre le petit masque de loup-garou. C'est quoi ça? Un loup-garou? Un truc dans le genre? Très bien. Putain, il est flippant. Hein. C'est débile. Ouais, ça le fait. Et grogne. Ellie, sérieux? Fais-moi peur. Grogne fort. Très intelligent. Je t'adore. Mais voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Si ça va pas attirer des monstres, ça. Mort de vin. Pose-lui une question si tu l'oses. Ok. Est-ce qu'on va mourir aujourd'hui? Il marche plus. Que dalle! Quelle arnaque. Il faut que tu la retournes, Einstein. Ah bon? Ah. Vos os sont bien à l'abri. Ah, ah. Ouf, ça va déjà mieux. Bonne nouvelle. Est-ce que je vais reconduire un jour? Sûr à 100%. Classieux. C'est vrai en plus. On peut en faire plusieurs en fait. Est-ce que je jouerai un jour à un jeu vidéo? C'est clair. Je crois que c'est mort. Je t'emmerde, sale crâne. Est-ce qu'on va sortir de cette foutue zone de quarantaine? L'avenir nous le dira. Alors, il y a des chances. Je sais pas si on peut toutes les faire ou... Est-ce qu'on va récupérer nos pistolets à eau? Ah ouais, c'est ça. C'est... Oui. C'est ce que je me dis. T'entends ça? On va récupérer les pistolets. Peut-être que ça y est, c'est bon, j'ai tout fait. Laisse tomber. Bah, ah, attends, si, j'en ai encore un. Est-ce que Riley saura un jour jouer au poker? Je t'entends, tu sais.
Il y en a peut-être un succès. Les signes sont flous. Bon, tout n'est pas perdu. Non, j'ai laissé tomber. Je te laisse le poker. Il en reste un. Est-ce que je vais finir par avoir des seins? Cette question, quoi. Les esprits se taisent. Ah, comme par hasard. Ah, c'est clair. Est-ce que t'es un abruti? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Bon, au moins c'est clair. On est avancé avec ça, ça c'est cool. Ah! Non, il n'y a plus de truc. Et ça n'a pas fait de débloquer de succès. Bon. Allez, fais voir ça. Ah si, elle va essayer. Ellie sera-t-elle un jour aussi drôle que moi? Oh, arrête! Je suis au moins 10 fois plus drôle que toi. Il dit, reviens dans une autre vie. Hé, hey, c'est pas moi, c'est le mort de vin. Eh ben, je l'emmerde, le mort de vin. Là, c'est mieux. C'est clair, classe. Bon, ça a l'air bon, on peut plus l'actionner. Ah, ça a pas fait de succès, ou alors on l'aura peut-être à la fin du... Je sais pas, on l'aura peut-être à la fin du jeu, le succès, on verra bien. On va se balader avec cette tête? Non. Qu'est-ce que t'en penses? Trop mignonne. Oh merde. Merci bien, gentil pigeon. C'est moins classe que le loup-garou. Bon là, on peut sortir d'ici. Et on va voir s'il y a autre chose. Ah oui, ça c'est classe. Cette tête-là, elle est plus sympa. On va faire plus couleur locale, quoi. Les souliers de Ruby, qu'est-ce que tu as bien pu en faire? Ah, cette tête. Oh, mon toto. Mais quelle horreur. Trop naze. Moi, je garde cette tête. Ça me va bien. J'aurais pu remettre le loup-garou, mais j'aime bien cette tête. Cette tête moche. Ah, il y a encore un truc là. Des yeux. Et ça se vend ces trucs? Je comprends pas. Non, je comprends pas non plus. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour du magasin. Putain la vache. Ça, c'était pas très intelligent. Waouh. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour du magasin, on va pouvoir sortir. Attends, MGN, voilà. Allez, let's do it. On peut sortir par ici, je pense. Il n'y avait rien derrière. Ah, j'ai une idée. Non. Qu'est-ce qu'elle a comme idée? Tu vois ces voitures en bas? Ouais, toi tu prends la rouge et moi la bleue. La première qui casse toutes les vitres de sa voiture avec des briques à gagner. Putain, c'est débile. Je suis la pro du lancer de briques. Ok. La perdante doit répondre à une question. Mais sincèrement, c'est vérité ou vérité, c'est ça? Putain, c'est trop débile de faire ça par contre. C'est parti. Bim. Ça, tu as dû lancer. De café. Ha. En fait, ce qui va être chaud, c'est surtout de trouver les briques. Bingo. Oh, allez. Merde, j'ai raté en plus. Non. Putain.
Comment que je réussisse? Joli! J'en ai plus qu'une à trouver. Ah, la saloperie! Touché! Putain! Ouais, t'as vu ça? Ouais, beau gosse! Allez! Putain, il n'y en a plus là. Quoi? Putain, je trouve plus de briques! Ah, j'en ai une. Oui. Dans le mille. Dans le mille et mille. Faut que je fasse le tour. C'est de l'autre côté. Ouais. Allez, dernière. Plus qu'une, presque. Faut que je me gourre. Yes. Gagné. DS, succès. Des briques. Produit lancé de briques. Le de la mienne était plus solide. Ouais, c'est ça, bien sûr. Bon. Ah, j'ai géré. Ouh, j'ai peur. Ça, c'est la classe. Ok. Pourquoi t'es parti sans rien me dire? J'étais un peu perdue. Écoute, je l'ai dit à personne. Mais moi, j'étais pas personne. J'ai généré une pour le level up. Non, c'est juste que... Viens, il faut que je te montre un truc. On y est passé. Ah, ok. Allez, je la suis. À la question. Elle a pas vraiment répondu à la question, c'est clair. Ah, les ombres et tout, c'est vraiment bien géré. Petite foulée. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Bon. Tu te rappelles quand on disait qu'il n'alimentait que certaines parties de la ville? Ouais. Ouais. Bah, suis-moi. Bah, c'est ce que je fais. Je regarde s'il y a des petites choses quand même de temps en temps. Rien de spécial. Il n'y a rien non plus. Ah, attends. Attends. Il y a des trucs ici. Non, non, attends, je veux voir ce qu'il y a ici avant. Laisse-moi chercher, mon précieux. Ah, note d'avertissement. Major Bank, c'est maintenant la troisième fois en 3 semaines que je vous demande d'augmenter les effectifs dans mon secteur. Depuis que la zone de quarantaine d'Altford est tombée, les réfugiés ont envahi la ville. Beaucoup d'entre eux passent par le centre commercial car les soldats y sont peu nombreux. Les gens sont désespérés, pour la plupart infectés, quand ils arrivent en ville. Comme vous avez pu lire dans mes précédents rapports, j'ai dû neutraliser 3 infectés de niveau 1 rien que la semaine dernière. Je sais que les ressources sont limitées, mais si nous ne renforçons pas la sécurité, je crains que le centre commercial ne soit bientôt submergé. Et merde, merde, merde! Vous vous foutez complètement de ce que je vous raconte. Votre serviteur dévoué, Winston Hatcher. Winston, c'est le mec qui est à cheval, en fait, tout le temps. Enfin, d'ailleurs, son cheval a dû partir. D'ailleurs. Ah, voilà! Voilà, il n'y a rien du tout. Fausse joie. Bah, je pense qu'après, ça dépend aussi du niveau de difficulté, en fait. Quand tu as un niveau de difficulté moins élevé, je pense que tu as des trucs à l'intérieur. Enfin, j'imagine. Attends, j'ai quand même envie d'aller voir par là. Bon, ça doit être pour après, non? Ouais, on va y aller après. Attends. Ouais. C'est par ici qu'il faut aller. Donc, tu vois, toute la ville a du courant. Ils Qu'est-ce ont juste fait, fait sauter les plombs. Il suffit simplement de les réenclencher. J'y crois pas. Ça marchera jamais. Ah bah si. Oh. Qu'est-ce que je t'avais dit? Attends, on a tout allumé, là? C'est ce qu'on va voir. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. En revanche. Ok, y a rien par là. Je continue, je la suis.
T'es vraiment prête pour ça? Attends, je sais ce que t'essaies de faire. Et... C'est pas cool, non? Je suis contente que tu sois en vie. Enfin... Je suis contente qu'on se soit retrouvés et je le pensais pas. Tous ces trucs que j'ai dit avant de partir, j'en pensais pas un mot. Il est vraiment trop beau ce jeu. Parce que tu vois, même Final Fantasy XV, c'est... au niveau esthétique, c'est moins fin, moins lissé. Et pourtant, le jeu, tu vois, il y a plus de développement et tout. Après, il est plus vaste aussi, mais... Là, les personnages sont vraiment beaux, quoi. Carrément. Waouh, c'est pour de vrai? Qu'est-ce qu'elle voit, du coup, là? Ah, on va le savoir après. On revient sur le temps réel. Ok. Comment je vais pour aller là-haut ? C'est une bonne question. Alors, on revient dans le réel. Enfin, dans le réel. On n'est plus dans le flashback. Et en général, dans cette partie-là, il y a plus de trucs que desquels il faut qu'on se méfie. Je prends tout ce que je peux prendre. Ah mince. Je sais pas, entre une brique et une bouteille, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Là, il n'y a rien de spécial. Putain. Crétin de corbeau qui me fait flipper. Que je peux passer derrière ça là, non? Ouais. Alors est-ce qu'il y a des choses ici? Ça a pas l'air, à part des bacs à légumes renversés. Ok, il n'y a rien. Je ressors. J'aurais bien aimé trouver un flingue. Ah! Note de l'atrium. Comme nous étions presque à court de vivre, le soldat Eugène Ellis et moi-même nous sommes aventurés dans les quais de chargement dans l'espoir d'y trouver des rations supplémentaires. Ah, c'est peut-être ça la suite. Là, nous avons été attaqués par un groupe d'environ 6 infectés de niveau 2. Nous les avons neutralisés, mais l'un d'eux a eu le temps de mordre Ellis. Après un débat échauffé... Dans lequel le soldat Ellis est tombé et mettre fin à ses jours, je l'ai assommé. J'ai décidé de ne pas respecter le protocole. J'ai isolé l'infection à l'aide d'un garrot. J'ai récupéré une scie chirurgicale dans le centre de triage. J'ai nettoyé. J'ai amputé son bras plusieurs centimètres au-dessus de la morsure. J'ai bon espoir que quand il reprendra connaissance, Ellis sera débarrassé du cordyceps. Et non. Alors là, on voit. Ah ouais, putain, il a dû lui couper le bras ici. C'est bien trash quand même. On voit la scie au sol. Ça rappelle un épisode de Walking Dead, ça, tiens. Donc, ça n'a pas marché, hein, je pense. Concrètement, sinon, ça se saurait. Ok, bon, bah, je pense savoir où c'est, du coup. En plus, il y a le groupe électrogène, je pense que c'est par ici. Qu'on va juste falloir faire gaffe. Ouais, c'était ça, ouais. Petite référence. Une porte qui s'ouvre, là, non? Non. Oh, merde! Putain. Oh, putain de chat. Je déteste les chats. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs par là? Ah, c'est plein de flottes. Oh, la vache, elle est gelée. Putain! Attends. Tu es ou quoi? Avant, j'ai envie d'aller dans la porte qui est juste ici.
Là, je peux pas. Ok. Ok, ça confirme le truc. Bon, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par ici. Oh la vache. Remake de Titanic. Ah, là, je peux passer. Bon, je pense pas qu'il y ait des infectés ici, sous la flotte. Il y a peu de chance. Ça, je peux pas le prendre. Ok, le verrou est désactivé. Là, il y a un truc ici. Attends, j'ai vu un truc tout à l'heure quand je suis passé. Ah oui, c'est là. On y est. Terminus. Rien. Il n'y a peut-être plus d'essence, le truc. Salut Linma, merci pour le host. Elle, elle sait pas nager. Ah, tu parles des désinfectés ? Je sais pas du tout. C'est vrai que c'est une bonne question. Aucune idée. Alors, l'état du soldat Ellis a empiré, forcément. Il est brûlant de fièvre, il n'a rien pu avaler. J'ai peut-être fait une erreur. J'ai peut-être trop attendu pour l'amputer. Il va peut-être se transformer pendant que j'ai le dos tourné. Et le protocole d'infection, nous avons fait ce que nous avions à faire avec l'officier Caulfield. Nous, mais qu'est-ce que je raconte ? Nous avons tué Larry. Ellis l'a tenu pendant que je l'embêtais. Pendant que je l'emballais, pardon. Putain. Ah, pendant que je l'abattais. Pff, n'importe quoi. Comme un vulgaire chien. Je l'entends encore crier. Hagan, pitié, il me reste encore du temps. Ne faites pas ça. Ellis, qu'avons-nous fait? Et si je partais, si je m'enfuyais? Pardonne-moi, Ellis. Donc, je pense qu'il l'a laissé, ce qui fait que c'est potentiellement dangereux. C'est pas faux, le best. Bah, tu sais, c'était un peu ça qui s'est. Dans Walking Dead, il table un peu là-dessus, tu sais, avec le bateau à un moment. Dans Fear the Walking Dead, pardon. Mais ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, il flotte quand même les trucs. Ah bah si. Bah, et comment je fais pour les tuer? Ah oui. Voilà. Je suis mort. Ouais, j'ai... Alors, ok, d'accord. Donc en fait, faut que je réussisse à en buter un. Alors... J'ai ma petite idée, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça déjà, pour résister un peu plus. Parce que là, en difficulté maximum, ça va pas être la même, hein, clairement. Voilà. Putain. Ah, c'est bon, 6 balles. Oh.
Ouh, ça va être chaud hein, dans ce niveau de difficulté là, je pense. Je pense que ça va être sport. Les balles vont se compter, je pense. Alors, je peux siphonner ici. Ah, oh, c'est vide. Merde. Attends, je vais vérifier si je peux pas trouver des balles quelque part ou autre. Salut, Elgaz. Alors, Alex, au fait, même si t'as pas vu le stream, t'as pu tester FF15 un peu ou tu attends de le découvrir en live? Alors, je l'ai testé hier. Je l'ai lancé vers 23h, je crois à peu près, il était, 23h15. Et j'ai joué jusqu'à 2h30 du matin. Et c'est une tuerie. C'est une bombe, c'est exactement ce que j'attendais. Je suis vraiment pas du tout déçu. C'est une bombe. La seule déception que j'ai, c'est de pas pouvoir justement le streamer. C'est terrible. C'est vraiment pas de... Voilà. Donc j'espère qu'ils vont lever l'interdiction très rapidement. Comment tu vas mon petit Elgaz? Ah, bingo. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, c'est... Je prends le tuyau. Elle prend le tuyau, faut qu'elle aspire. Je siphonne tout. Donc c'est pour ça, du coup, j'ai décidé là, ce matin de... Oh là. Ça marche. Voilà. C'est pas très agréable. J'ai décidé de streamer justement le DLC de Last of Us. Et puis de voir, en fait, d'aviser déjà, de voir ce que ça va donner demain. Et puis sinon, après, on a d'autres jeux hein, en attendant. Mais voilà, je voudrais pas trop avancer non plus sur le jeu. Je peux passer par là. Je voudrais pas trop avancer sur le jeu pour, tu vois, pour vraiment le découvrir avec vous. Enfin, avec ceux qui souhaitent le découvrir en même temps, parce qu'après, je respecte le fait aussi que tu auras peut-être moins de monde sur le stream pour pas non plus gâcher la découverte. Mais voilà, donc en attendant, on va être patient. C'est vrai, ouais. Non, mais maintenant, quasiment tout le monde l'a pris. Hein, parce qu'en fait, là, tous les magasins le vendent depuis aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un peu ridicule, cette histoire, au final. À mon avis, c'est que mon avis, hein, encore une fois. Alors, on va démarrer la machine. Mais bon, on a ce qu'il faut à streamer, il n'y a pas de souci. Mais du coup, peut-être que cet après-midi, j'en referai un petit coup, effectivement. Hop. Ouf. Ah, j'ai eu du pot, là. Bon, c'est noté. Bon. On touche pas à l'eau électrifiée. Puis ouais. Là, on va pas dans l'eau. Hein. Alors, ah oui, on va pas dans l'eau, mais ça va se compliquer, en fait. Ça va se compliquer. Alors, attends. Par où je peux passer? Bah, de toute façon, non, je peux plus aller par là. C'est con, il y a peut-être un truc dans le fond. Je peux aller jusqu'au bout. GG, Cyril. Bon, cette porte est ouverte. C'est déjà ça. Ouais, au bout, il y avait peut-être un truc intéressant. C'est con, j'ai loupé le coche. C'est pas grave. J'ai eu peur quand j'en ai vu deux débarquer. Je me suis dit, oh là, j'ai pas les... Ah bah si, je vais peut-être pouvoir quand même y aller par là. Doucement. Doucement. Faut pas tomber, hein. Regarde devant toi. Tout va bien se passer. Tu vas pas tomber dans l'eau et te faire électrocuter. Non. Faut pas que les trucs pètent, quoi, c'est ça, surtout. Merci Kiri pour le auto-host. Je sais pas si t'es dans le coin. Je sais pas quelle heure il est non plus. Ah mais il est 11h30, ça va, on est à l'aise. Alors, ah ouais, du coup là je peux pas passer. Est-ce qu'il y avait un autre passage? Il y a le camion. Il y a le camion et du coup je passe par où après? Par le quai. Pas bête. Voilà. Hop. Alors, on peut passer par là. Là, c'est l'eau. Et là, c'est bon. Allez, il y a un bouton pour ouvrir. Je vais quand même aller voir s'il n'y a pas autre chose par là-bas.
De toute façon, elle sait pas nager, mais avec l'électricité, c'est encore pire, c'est clair. Et toi, Linma, du coup, t'as avancé sur quoi? Attends, ah, y a deux panneaux qu'on peut ouvrir? D'accord. Et là, je peux plus passer, quoi. Et en fait, c'était là-bas que j'aurais... Ah, mais on va peut-être y aller, remarque, attends. Peut-être là qu'il faut. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Oh, un écran plat! Un 4K! Ouais, si c'est qu'un 19 pouces, c'est pas très intéressant, mais... Ah, je peux pas passer par là. Hein. C'est con, il doit y avoir un truc intéressant, je pense. Ouais, bah si, c'est par là que je crois. Ok, je pense qu'on peut passer par là. Par ici. Alors, ah, t'as pas aimé Outlast, Lima? Ah, il y a des scènes bien flippantes surtout. T'es arrivé où à peu près? Puis c'est un peu crade et tout ça, un peu malsain. Après, c'est assez lent, ouais. Ah, je pense que ça, faut que je le sorte. Attends. Déjà voir ce qu'il y a par là. Rien de spécial. Je pense que ça, faut que je le sorte et que je le bazarde en fait dans la flotte. Ou est-ce que ça peut m'aider à monter sur quelque chose? Ah, ouais, peut-être. Ouais, si, c'est ça. Passe ici. Là, je fais ça. Ah, bah, même pas. J'ai même pas besoin de ça. Ah, ok. Saloperie. Ok, j'ai pigé le truc. Qu'est-ce qu'il y a, Fidji? Fidji? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a vu? Attendez, je vais juste regarder ce qu'elle a vu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Je sais pas ce qu'elle a vu. Fidji? Fidji? Y'a rien, loulou. Entre. Viens. Allez, viens. Ah, elle a dû voir un truc. Attendez, je vais essayer de la récupérer. Bougez. Je suis désolé. Désolé. Fidji? Fidji, regarde. Croquette. Viens chercher là. Regarde. La croquette. Viens. Regarde. Viens chercher la croquette. C'est bien. Assis. Voilà. C'est bon. Ça, c'est mortel. La croquette, ça marche à tous les coups. Ah mince, attendez, je vais pas fermer la porte. Allez, va te coucher, Fidji. Ça, c'est magique, la croquette avec les chiens, ça marche à tous les coups. C'est cool. Bah ouais, mais un jeu d'horreur, quand ça fait pas peur ou pas sursauter, ça a pas grand... Bah t'as quand même sursauté, sur les... il y a des premières scènes quand même. Tu sais, quand tu ouvres une porte, là, tu vois un mec pendu et tout, ça fait quand même flipper. Hmm, 88 minutes. Ouais, bah ouais, pourtant t'as dû voir cette scène-là, je pense. Bah écoute, c'est bizarre. T'as pas vu les apparitions, des trucs comme ça, non? T'as pas... Faut essayer de bien observer, par contre. C'est vrai qu'il faut être... je sais pas, enfin... C'est étrange. Moi, j'avais bien flippé dessus. Hein. T'as plein de passages qui sont un peu malsains, un peu crades. Ok, je le mettrai comme ça, moi. Dans l'idéal. Et là, je monte... Salut Guillaume, comment tu vas? Bah la forme, écoute. La forme. Bah, le samedi, c'est toujours bien. Pas trop tôt. Voilà, nickel. Donc là, je peux passer. Là, c'est parfait. Là, je peux passer aussi. Nickel.
Ah, attends. Ah non, c'est pas fini. Non, c'est là où il faut que j'aille. Hop, voilà. Hop, hop, hop. On continue un peu. Hop. Voilà, et là je peux sauter. Voilà, ça y est, c'est bon. Je regarde vite fait s'il y a des petites choses à récupérer. Là, je vois rien de spécial. Donc, pas la flotte, hein, surtout pas. Et on touche pas au camion. Et on est bon. Ok, ça y est, c'est bon. Ah, 4 heures de conduite moto. Ah, c'est cool ça. Ah bah pourtant tu vas voir l'INMA c'est bien malsain hein, après dedans. C'est vraiment bien malsain. Il y a vraiment des trucs hyper malsains dans Outlast. Hein. C'est dans le même style que Silent Hill justement. Ok parfait, il y en a un là. Ah merde, attends, va falloir que je me débarrasse de lui avant. Le truc, c'est que les têtes de courge comme ça, là, pour se les faire, les têtes de corail, il faut que je leur balance un truc dans la tronche, c'est ça avant, non? Pourquoi ça marche pas là? Pourquoi je peux pas le planter? Pourquoi ça marche pas? Putain! Ouais, je l'ai fini Last of Us, ouais. On l'a fini hier, ouais. Du coup, on est passé à Left Behind. Moi, j'ai trouvé ça assez malsain à Outlast. Quand t'arrives dans les passages là où t'as l'espèce de. T'as des espèces de mecs un peu barrés et tout ça, j'ai trouvé ça très malsain en termes d'ambiance. Plus que flippant en fait. Plus le côté malsain en fait qui m'a. Et c'est chiant en fait parce que je peux pas arriver par derrière et le planter en fait. Avec elle. C'est ça qui est bizarre. Et du coup, si je lui pète une brique sur la tronche, je peux faire quelque chose ou bien? Oui, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Et après, c'est la merde. Ok. Bah oui, justement, ouais, je trouve ça assez mal. Ah, mais il en est pas là encore, hein, du coup, Guillaume. Faut peut-être pas lui spoiler le truc. Alors, deuxième option, je suis peut-être pas obligé de les tuer. Ah bah si. Ah puis là, j'ai bien visé. C'est ça qui est bien. Salut Sebesk, bienvenue sur le stream. Ah, je me souvenais pas que c'était au début, Guillaume. Bon, alors, haute méthode. Ou alors lui, je le bute d'abord. Non. Non, c'est pas ça non plus.
La fin un peu décevante. Ouais, bah parce que du coup, ça paraît trop évident après, ouais. Peut-être. J'aurais pas assez de balles pour les tuer. Bon, je vais essayer de passer en mode discretos, du coup. Bah non. Bah moi je trouve aussi, ouais. Il y a pas de souci, t'inquiète. Ah, je vais trouver. Ah ouais, ah bah c'est bizarre. Ben oui, les couloirs blancs et tout ça, oui, c'est clair. Non, puis du coup, je trouve que du coup, c'est moins. Bah, ben, on va pas délivrer l'histoire, quoi, mais il y a un truc qui passe moins bien, je trouve. Voilà. Putain, mais du coup, comment je fais en fait? Parce que. Ou alors. Je les attire vers un endroit là-bas. Ok, ça a marché. Putain, il y en a un juste ici. Là, il y en a beaucoup quand même. Vraiment beaucoup. Je suis dans la merde. Voilà. Ouais, non, mais je comprends, Linda. Evil Within, du coup, là pour moi, ouais, là pour le coup, c'est pas un truc qui fait peur, c'est plus un truc d'action. Ça marche pas. Ils m'ont au sensor en fait. Ah la vache. Ça va être très tendu ce passage. Je le sens très très tendu. Faut vraiment trouver quoi faire. Bon, le début est pas mal, je pense. Dans l'idée. Bah là c'est mort. Sébesque. C'est ça, hein, c'est, je dis bien Sébesque, c'est bien ça le nom. Ou Sebske. Sebski. Sebeski. Je veux bien que tu me dises comment ça se prononce, j'aurais pas foiré le truc. Evil Within, il y a beaucoup de gens en fait hein, qui l'ont pas trouvé génial, ouais. C'est étonnant que la presse ouais, soit bizarre, ouais.
Il arrive, tête de corail, là, ouais. C'est bon. Je pense que ma technique était pas trop mal, là. Putain, par contre, il m'aurait fallu un autre truc, je pense. Ok, et là, c'est la merde. Je crée une partie Vogue et je te dis ok. Comment ça? Elle gaz. Mais si, on va y arriver. Si, ça va le faire, t'inquiète pas. Oui, il est alien isolation, par contre, c'est canon ça. C'est par là qu'il faut que je passe en plus. Non, je suis pas sûr, remarque. En fait, je sais pas trop où faut que je passe, c'est plus ça le truc. Ça se trouve, je suis au bon endroit. Non, je peux pas passer ici. Mais je pense pas pouvoir passer par le portail non plus. Et je peux pas fabriquer un... Attends. Non, je peux rien fabriquer pour l'instant. Putain de merde. Attends, on va attendre. Ah, d'accord. Si tu veux, écoute. C'est nickel, New Manette. Putain, il y en a un autre encore ici. Ils sont trop nombreux, là. Merci pour le follow, Sébesque. Merci beaucoup. Les DLC sont pas top, Elgaz ? Je me posais la question, justement. Ah, je sais pas par où faut aller. Je sais pas où faut que j'aille. J'ai reçu la demande d'amis, hein. Du coup je répondrai quand j'aurai terminé le live. Pas de soucis. Bah, c'est peut-être pas par là alors du coup. Peut-être que j'aille dans cette pièce là. Du coup, ce qui va un peu compliquer le truc, non? Ah, c'est trop court. Mais en même temps, là, c'est pareil. Hein. Le DLC, l'Left Behind, apparemment, il est trop court, quoi. C'est là-dedans qu'il faut que j'aille, ça se trouve. Attends, faut que j'arrive à voir où faut que j'aille. Ah, ah bah à côté de Blood and Wine forcément. Mais t'as vu, il a été élu d'ailleurs meilleur DLC, je crois, de tous les temps. Un truc du genre. Bon, c'est pas là non plus. Hein. À 30 minutes. Ah oui, c'est très très court. Ouais, c'est si tu rushes ça. Je pense pas que ce soit par là non plus. C'est ça le souci, c'est que je ne sais pas par où il faut que j'aille.
peut-être par là alors du coup. Go go go. Faut que je les éloigne plus loin en fait. C'est le principe, mais faut que je les éloigne plus loin. Minutes sans vraiment rusher. Ah oui, quand même. Après le live, c'est best parce que du coup, en live, je préfère être concentré sur ce que je fais. J'aurai du mal à gérer les deux. Alors là, donc je pense que ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut que je fasse. Faut juste que par contre, je les éloigne correctement. Allez. Ça devrait le faire là. Voilà. On les occupe tranquille. Continue d'avancer par là. Là, c'était bien ce que j'ai fait tout à l'heure. C'était pas mal. Faut juste que je les envoie plus loin, en fait. Oh merde, ça n'a pas marché sur lui. Fichier. Et merde. Oh. Oh, c'est presque ça. C'est presque ça. Lol Guillaume. Bah, non, non, rien à voir. Je l'ai fait, hein, du coup, j'ai joué à FF15 hier. J'ai pas pu décrocher, tu vois, jusqu'à 3h30 du matin. 2h30 du matin. Et ça a vraiment rien à voir. FF, je vais être complètement bercé par le truc, alors que Witcher, c'est moins mon univers. Mais j'ai bien aimé parce que c'est bien amené. Mais Final Fantasy, c'est 1000 fois plus mon univers, en fait, de RPG. C'est une différence entre toi et moi, Guillaume. Pas en live, Sébastien. Je fais jamais en live avec d'autres personnes, en fait. C'est pour éviter d'avoir plusieurs voix et tout ça. C'est vite le bordel, donc je préfère pas. Allez, hop. Voilà, nickel. Ah merde, c'était trop tôt. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Ah non, mais ça part d'un bon principe. Je pense qu'il veut m'aider, mais si tu veux, je préfère le faire tout seul, en fait. Il n'y a pas de souci. En plus, c'est pas très, très compliqué. Il faut juste que je fasse ce qu'il faut. C'est que j'ai pas envoyé la brique assez loin tout à l'heure. Mais le problème, c'est que j'ai bien peur que… Je sais pas s'il va me suivre, l'autre. Là, ça devrait suffire. Voilà. Nickel. Allez, je passe. Discretos. Et là, faut bien que je l'envoie où il faut, là. Ben oui, c'est ça, ouais. C'est de mauvais goût, FF. Ah, j'avais pas lu Linma. T'as bien fait, du coup. Ok, ça marche. Ok. C'est le moment. Nickel. Ouh. Et c'est le GG. On a bien géré. Vache,
Putain, il y en a trop plein, quoi. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Lynn. J'attends de voir par où il passe. Okay. Putain, il y en a trop plein. Et je sais où il faut que j'aille maintenant. Attends, faut qu'ils retombent en léthargie. Ils vont me voir par là. GG Linma. Ouais. Ah oh bah oui, en général, j'y arrive. Ça, y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que je m'inquiète pas. Putain, ils entendent trop bien, quoi. J'ai plus rien à balancer. Ça va être un peu problématique, ça. Je suis obligé de rester super silencieux là, hein, du coup. Ah non, moi j'ai du mal, moi. Je préfère être, tu vois, plus en mode tranquille, quoi. Je trouve que c'est plus agréable pour les viewers parce qu'après tu peux t'embarquer dans un truc des fois. Alors, quand je jouais des MMO, c'était différent, mais. Allez, ça peut le faire, je pense qu'ils sont assez loin. Go. C'est bon. Oh putain. C'est bon. Vache. Ouh. C'est clair. Je trouve dommage qu'il ait pas fait. Qu'il ait pas fait quoi, Cyril? Ah si, il y en a un de prévu, mais pas tout de suite, mais ils ont prévu un multi. Il fera partie d'un des DLC gratuits, celui-ci. Bon, c'est bon, elle a trouvé la trousse. Ouh, on a passé un passage pas évident, je pense. Alors, retour au flashback. Mais si, il y a un multi de prévu. Waouh. Attends. Les soldats vont voir la lumière dans le centre commercial, non? C'est canon, hein? Les lumières extérieures marchent pas. Comment tu le sais? C'est cette Luciole, Mélanie, qui m'en a parlé. Ça a l'air cool. Tu veux essayer? Ouais. Ok. Ouais. Canon! Bien accroché? Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, c'est vachement bien ça. Oh! Riley, viens là! Non, tu t'en sors très bien. C'est pas croyable, c'est trop mortel. C'est vraiment hyper bien fait. Oh ouais. Le niveau de détail, des textures et tout, il est bluffant. Allez, viens, viens là, monte sur celui-là! Non, 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 non. Oh non! Non.
je viens de monter. La gaffe, c'est trop rapide pour Elgas, ce manège. J'ai adoré. Blurps. Et j'assume. Oh. C'est roller coaster. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est impressionnant. Très impressionnant. Un cercle pourrait bien dire un triangle. Oh. Qu'est-ce que c'est? Tu tournes pas rond. Putain, t'as trouvé un livre de blagues. Sais-tu quel est le plat préféré des cannibales? Les croques, monsieur. Ouais, la blague. Je te le donne. Mais avec ça, on redevient amis pour la vie, tu sais. Quand même, ouais. Je dis ça comme ça. Je prends le risque. Je dis ça comme ça. Oui, c'est bizarre pourquoi il s'est arrêté d'ailleurs le truc. Aïe. Ok, t'es prête? J'écoute. Quand deux cacahuètes s'en vont au resto... Ah, je peux lui faire des blagues. La note est salée. Ah, non. Ah, on va se marrer 5 minutes. Oui, c'est vrai. Un œuf dur, c'est une galère. Certaines expressions au niveau des yeux et tout ça. Je pense que c'est parce que ça la rend moins vivante, en fait, elle a moins de vécu. Et je pense que c'est pour ça. J'ai commencé un livre sur la pesanteur et c'est impossible de le reposer. Ouais. Mais tu vois, par exemple, Final Fantasy XV, les visages sont beaucoup plus lisses que ça. Qu'est-ce qui rapproche un facteur et un jongleur? Ils ont tous les deux énormément d'adresse. Oh, oh. Oui, je pense que c'est ça, ouais, en fait. Ça rapporte par rapport aux histoires, c'est ça, c'est les trucs qu'elle a... C'est deux pétards mouillés qui se croisent. Et toi alors, ça boume? Je sais pas si c'est un an, pour l'instant, on n'a pas de date fixe, on n'a pas de date précise. C'est fort possible que ce soit un an. Je sais plus comment lancer un boomerang, mais ça va me revenir. Ouais. Ah. Ah. Le comble de l'horloger, c'est de craindre les aiguilles. Oh, ah, t'as vu? Ouais. Les aiguilles, ouais. Les horloges. Ouais. Voilà. J'en connaissais une bonne sur les amnésiques, mais... Je m'en souviens plus. Classique. Il fallait en avoir quand même. Hein. On finit par sauter. Ils ont dû manger un paquet de carambars entiers. Tout te fait fondre. Ouais, pas génial quoi. C'est une petite pomme qui a grand peur de mûrir. Ah, c'est sympa. C'est trop mignon. Au début de l'histoire, elle dit qu'elle s'est fait mordre il n'y a même pas 3 semaines. Ouais, donc je pense qu'en fait... Ah donc non, ça fait pas un an alors. Donc c'est beaucoup moins que ça. Parce qu'en fait, normalement, là, je pense que dans le DLC, on va voir sa morsure. Eh, d'ailleurs... Attends. Non, ils n'auraient pas fait une connerie pareille. J'avais l'impression de voir une morsure sur son bras. Non, c'est de la saleté. L'ambiance autour de la chaise était très électrique. C'est... Ouais. C'est un peu glauque ouais, comme blague. Quelle est la lettre préférée des pirates? Ah, je la connais. Non, c'est bien l'eau. Oh, comme la mer, l'eau de la mer, l'océan. C'est la mieux pour l'instant. Ouais, trop drôle. J'ai pas trouvé que c'était la mieux, moi. Un petit steak cherche son copain dans la forêt. Il l'a pas trouvé, il s'était caché. Ah, celle-ci, elle est connue, le steak caché. J'ai tendance à tant danser. Je sais pas s'il y a un truc à faire avec toutes les blagues. C'est ça la blague? À toutes les écouter. C'est un vrai proverbe. Tendance. Ouais. À la une de ce matin, un ophtalmo trouve la mort. Les détails sont flous. Ah oui. C'est mignon. Waouh, j'adore ce bouquin. C'est un vieux magicien qui se fait poser un lapin. Ah, ok. Oh, c'est pathétique. Ouais, okay. Nul. Le cannibale lui dit qu'elle est à croquer. Ah, oh, quel génie! Elle est à croquer! C'est nul. Alors, il va la manger! Pas drôle! Ah, c'est 3 semaines avant l'histoire principale, d'accord. Le problème du vitrier, c'est de tenir à carreau. Je pense que du coup, on va voir sa morsure, quoi. D'abord, je suis tombée dans les pommes et j'ai perdu la pêche. Bon, je pense que c'est bon. Allez, ça suffit. Je mets ça de côté.
De toute façon, on y reviendra aux blagues. Alors maintenant... C'est la voiture qu'on a pétée. On va aller faire le photomaton, elle veut ça. Comment ça marche ? Il doit suffire de suivre les instructions. Oh oui, c'est pas très compliqué. Tu veux que je le fasse ? Non. Tu sais quoi ? Fais-toi plaisir. Start, commencez. Oh, des thèmes. Tu vas prendre quoi ? Amitié. On va essayer amitié. Oh, c'est trop mignon. Je suis la grenouille. Tu peux pas choisir de personnage. Oh, ok, souris. On fait l'ange. Ok, ça fait très peur. On fait une grimace, ok. Poisson boule. Ok, on va faire une grimace. Ok. Oh, c'est fini. Okay. C'est bien fait parce qu'en fait, hey, c'est nous. Il te trouve un truc sympa. Débile, mais trop bien. Il trouve un truc sympa en fait. Oh, elles sont géniales. Et ça te montre en même temps un aspect technique parce qu'en fait, t'as toute la. Genre, ça imprime ta tête dans un lit. Entrée nom d'utilisateur. J'écris quoi ? Bah, mais n'importe quoi. Tape ton nom, un truc du genre. Oh. Ah, c'est énorme, ça va publier sur ma page Facebook. Et c'est parti. Ah, ça, c'est terrible ça. Ah, ça partage. Aucune connexion internet. Et ça veut dire ? Ah merde ! Ah bah oui, forcément, c'est pas relié. On a imprimé les photos. Oh, je rêve, ça va vraiment marcher, j'hallucine. C'est clair. Elle joue Captain Obvious. Je vais réessayer. Ok. Imprimante hors service. Quoi ? Oh, fais chier, ça me saoule. Peut-être quand... C'est énorme, tu peux t'exciter sur le truc. Qu'on a fait. Je crois qu'on l'a cassé. Péter la machine. Ouais, sous couvert d'un jeu, en fait, du coup, t'as un travail sur la partie technique des expressions faciales. Je trouve ça bien foutu. C'est une très bonne idée. On reprend les recherches. C'est bien emmené. Bon, on est reparti, hein. Je hais cette pauvre fille. Elle insiste pour se faire détester ou quoi ? Carrément. Moi, je ferais comme ça. Je pense, parce que en fait, il y a plein de subtilités, le best. T'as des subtilités dans l'histoire, et en même temps, il y a des subtilités très techniques. Moi, je savoure en fait là les. Vraiment, je prends mon pied à voir les animations des personnages et tout ça. Doit être muni en permanence d'une pièce d'identité valide. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, à la façon d'un Pixar ou d'un Disney. T'as plusieurs niveaux de lecture en fait. Je trouve ça pas hyper grave en fait. Et là je suis sûr que c'est des managers de. Je suis sûr que c'est des managers de studio ça. Ouais, ce serait carrément mieux. Ah tiens. Petite note. C'est quoi ça ? Hey, cet escalator fonctionne. Viens là. On devrait monter. Voir ce qu'il y a là-haut. Attends, je voudrais voir d'abord s'il y a des petits trucs à récupérer. C'était une lettre d'amour, je crois. Non, là, il n'y a rien de spécial. Rien de spécial non plus. Alors, elle est partie à l'escalator là-bas, ok. Et vous avez remarqué, en fait, là, on est du coup, on est dans le passé, mais on est dans le... En fait, on est dans le supermarché dans lequel on est bloqué dans le présent également avec Ellie, en fait. Ah, borne d'arcade. Oh, putain, c'est dingue. Je te l'avais dit.
C'est canon. Il y en a pas une qui marche? Si, il y en a une qui a l'air de marcher. Ah, c'est hyper bien fait, quoi. Ah, quand même, c'était le pied, les bandes d'arcade. Ah, il y en a une là. Non, me dis pas que c'est foutu. Ouais, et bien foutu. L'espace d'une seconde, j'ai cru que j'allais jouer. Tu peux jouer. Comment? Ok, viens là. Ferme les yeux. Fais-le. Ok. Bouge avec ça. Là, coup de poing, là, coup de pied, et contre avec ça. Ok. Mais choisis d'abord ton personnage. Tu vas incarner l'impitoyable, redoutable et très magnifique Angel Knives. Et je suis censée tout imaginer? Ferme les yeux. Ok, pardon. Elle est tout près du Temple des Ombres. Un bâtiment mystique et ancestral où ont lieu les tournois des immortels. Ouais. C'est ça qui est fou, Lin Mao. Ton adversaire, Black Fang, sort du temple. C'est un gars blanc ultra baraque avec toi. C'est clair. C'est génial, elle imagine tout là. La musique part et il se met en position de combat. T'es prête? Vas-y, envoie. Manche 1, go. Black Fang se précipite sur toi. Il t'envoie un double coup de poing dans la face. Saute! Maintenant, il t'a dépassé. Tu atterris derrière lui. Frappe-le dans le dos. Tu le calmes avec un bon gros coup de coude et il perd genre 15% de santé. Oui, il se retourne et revient avec son attaque de la griffe fatale. Qu'est-ce que je fais? Maintiens gauche et contre pour parer. Tu soulèves les coudes juste quand il fait son combo. C'est excellent. Excellent quoi. Le dernier contre lui fait perdre l'équilibre. Il peut se relever à tout moment. Contre-attaque avec une ascension. Il t'a coupé. Il t'a eu. Combo point. Fais haut, barre et pied pour une charge de lame. Tu dois appuyer en même temps. Ah ouais, d'accord, c'est plus. Barre avant, point pour le coup. Regarde. Bien joué. Merde, c'est chaud. Ah oui, c'est en même temps. Putain, c'est pas facile. Merde. Ça devient chaud là. Yes, on l'a tué. Oh putain, c'était chaud. L'écran s'assombre. Yes. Les larmes d'Angel Knives scintillent. Elle lui transperce la poitrine encore et encore. Je serais dégoûté, Lodest. Jusqu'à ce que son cœur jaillisse. Je serais dégoûté parce qu'elle pourrait le stream, elle. Elle se met en position et lance un coup de pied qui lui arrache la tête. Un geyser de sang recouvre toute la surface du combat. Je trouve l'idée du combat artificiel comme imaginaire génial. Je trouve ça génial. Angel Knives lève le poing en l'air. Wouhou. Encore gagné. Je trouve ça excellent. M'étonne. Pas mal pour une première fois. Là, on a gagné. C'était sympa. Ah, même pas de trophée, quoi. Ouais, ok, j'avoue. Il pourrait péter un trophée pour ça. T'as entendu? Tu sais, on devrait rentrer. Moi, il faut que je rentre. T'as largement le temps. La petite blague, par contre, elle est hyper bien faite. J'ai vraiment plus le droit à l'erreur, là-bas. Demain, on prendra l'arme où c'est arrêté. Ok. Ah. Bon. Ben, un autre jour, alors. Je peux pas non plus. Ça veut dire que son dernier soir. Ok, la Luciole. Alors, quand? Ils m'ont demandé de partir. Partir d'où? De Boston. Je dois rejoindre un groupe dans une autre ville. Ah putain, c'est chaud ça, le best. Mais tu sais comment est Marlène. Sans prendre un coup. Simple avec elle. Elle veut me tester. Elle ressemble vachement à sa mère, par contre. Hein. Ils viennent me chercher demain. Elle va se retrouver toute seule, la petite. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, t'as pas
des conseils d'amis? Je suis sérieuse. Pourquoi tu m'as fait venir ici? J'avais envie de te voir. Non, ça se trouve, c'est ça. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Parce que les trophées de ce jeu-là sont très durs. Je sais pas. Bah, elle avait envie de partager un moment avec son ami, en fait. Tu veux un conseil? Vas-y. Allez, il n'y a qu'à se dire au revoir. Je vais aller voir d'où vient cette musique. Riley! Riley! C'est pas facile pour sa copine non plus. Où elle est passée? Ah, ça Riley, c'est bizarre, Linma, ça. Riley! En général, c'est très particulier quand ça se passe comme ça. Si tu connais ni d'Ève ni d'Adam, faut se méfier quand même. T'as quand même un ami en commun, non? Ou elle a un ami, c'est ça? C'est bizarre. Parce qu'il y a plein de faux comptes qui se baladent en ce moment. Salut les corcheurs! Bienvenue sur le stream! Ah, c'est mortel ça. Bien, vachement bien fait. Wow! Oh, un petit trench Burberry. Burberry! La classe. On va être dans un dépôt de fringues ou un truc comme ça, en fait. Quand on a perdu notre copine. Voilà, dernière collection Camailleux. Non, par contre, c'est hyper bien fait. Hein. La finesse des textures, mais truc de dingue, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Salut Draco, bienvenue sur le stream également. Ouais, mais même, c'est dommage, en fait. En fait, comme tu veux, hein, Linma, mais... Ah, attends, il y a un truc, là. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ah. Petite séquence énervée, là. Non, ça, je peux pas l'ouvrir. Non, c'est bon. Risque de terminer sur son bout. C'est clair. Non, je pense pas non plus. Black Flag. Pas Black Friday, c'est Black Flag. Alors. Ah bah elle est là. T'as déjà vu un truc pareil? La discussion est close? Oui, c'est bizarre. Je sais pas, à ton avis? T'as pas le droit de m'en vouloir, Riley. C'est moi qui dois t'en vouloir. C'est peut-être une autre adresse mail, Lovest. Une fausse? Enfin, une fausse. Non mais attends, depuis quand mon avis t'intéresse? On était potes. On était vraiment potes. Mais t'as fini par m'envoyer chier et après ça, t'as disparu. Vous connaissez le jeu, l'écorcheur et Draco, ouais? Vous l'avez déjà fait? Toute cette journée. Ouais, donc c'est pas grave, Linma, ouais. Tu te sens coupable? Tu veux te défiler? Vas-y, je te retiens pas. Dans le fond, elle lui en veut. Je suis planquée à l'autre bout de la ville. Si je me fais prendre en tant que Luciole, je suis morte. C'est pas la culpabilité qui m'a fait traverser une ville pleine de soldats, Ellie. Et oui, j'ai fait des choses que j'ignore comment réparer, mais... J'essaie. En parlant de ça... Ah, elle a récupéré les flingues. Le fameux pistolet à eau dont tu rêvais. J'ai failli me faire tuer pour les avoir. Surprise. Les doublages français sont très très bons aussi. Hein. C'est assez impressionnant. Ok. Moi, je t'ai trouvé. D'abord... Mais tu m'as trouvé avant. Je vais te l'amener. D'accord, fini le jeu et le DLC, l'écorcheur. T'as fait les deux, quoi. Prépare-toi à prendre une douche. Il est vraiment excellent, le jeu aussi. Ah. Tu t'en tireras pas comme ça.
Ellie, allez. Ouais, ça t'a plu? Attends ma petite. Putain, elle me court après. Ok, tu vas te la mettre. Quoi? Oh, Sarah, il est... Je crois qu'elle m'a battu. Je suis trempée. Bouh. Je t'ai réglé ton compte. Quoi? Tu m'as à peine touchée. T'es trempée. J'ai raté là. Ah, t'avais fait le jeu sur PS3 à l'époque, d'accord. Compte jusqu'à 5. Je vais me cacher. C'est fou, sur PS3, c'est exceptionnel pour la PS3, quoi. Ça marche. Parce que j'ai vu des images sur la PS3 et il est exceptionnel. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je l'ai raté à l'époque de la PS3. T'es prête? Faut que je la retrouve. Je regardais si je peux récupérer des trucs au passage. C'est jamais perdu. N'empêche, les gamines, elles jouent comme si elles étaient dans un parc d'attractions, enfin dans un parc, tu sais, pour t'amuser la journée et tout, alors qu'en fait, bah, la ville est dévastée, quoi. Mais c'est leur quotidien parce qu'elles ont grandi avec ça. C'est ouf, hein. Imaginez un truc comme ça. Putain, c'est abusé, quoi. Mais pitasse. On joue en trois manches. Toi, va te cacher. Ah bah ouais, graphisme, scénario, c'est brutal. C'est fou. Deux. Il faut que je réussisse à gagner. Trois. Quatre. Cinq. Tu vas mourir. Faut que je... Putain, la vache. Ah, c'est pas possible. Oh, mais zut. Il y a de grandes chances, Linma. Il y a de grandes chances. J'ai gagné, et ouais. Waouh, tu sais quoi? T'as eu de la chance. De la chance? Ouais. Ah, je suis pas très fort, moi, sur ce jeu-là. Tu veux remettre ça? Je... Mais oui, mais je... Elle est trempée. Tu dois y retourner. C'est ça. Il faut que j'y retourne. Ok. Bien. Je peux au moins te raccompagner? Je veux bien, ouais, histoire de pas être tout seul. Mais oui. Attends, je vais juste chercher mon sac. Ouais, le suspense, c'est pas énorme, je pense. Il y avait des télé 4K derrière, il y avait des télé 4K. Et au fait... Je l'ai dit méchamment, mais je le pensais vraiment. Tu devrais y aller. Je veux dire, c'est quelque chose dont tu rêves depuis... Enfin... Depuis toujours, alors... D'être une luciole. Qui je suis pour t'en empêcher? T'es la seule à le pouvoir. C'est son amie. C'est mignon. Je t'en prie, n'y va pas. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Elle joue bien la comédie. Je vais m'en sortir. Et toi aussi. Et on se reverra bientôt. Et vous avez fait le Uncharted 4 également? Ça, je l'ai pas fait. J'avoue que vraiment, lui, il me tente sévère. Ça me servira pas à grand-chose. Tu trimballes toujours ton baladeur? Ouais. Je pense qu'on va avoir le temps de finir le jeu parce que... Il y a quoi dedans? Cet après-midi, je vais peut-être pas le streamer. En revanche, demain, je vais le streamer. Qu'est-ce je pense que tu viendrais sans moi? S'il dure vraiment 3-4 heures, je pense que du coup, demain, il sera terminé, quoi. Laisse ça, suis-moi. Il y a de grandes chances. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas pas?
C'est dommage, s'il avait duré une dizaine ou une quinzaine d'heures, ça aurait été un peu plus sympa. Ouais. Yeah. Qu'est-ce que tu... T'es sérieuse? Viens par là. On va se mettre à faire la Pussycat Dolls. Allez, ramène-toi. C'est débile. La Coyote Girl. Oh, un petit jeu de danse, hein. Les lumières sont super bien gérées. I got you, babe. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Qu'est-ce que t'as? Moi, je pense qu'à force de jouer avec le feu, ça va dégénérer. Ah, elle lui a dit. RS. Je pense aussi, ouais, le best, mais ça va peut-être pas tarder. De quoi? Pourquoi démodé? Mais non, c'est indémodable ça. C'est indémodable, Lynn. On va trouver un truc. Mais je crois que Marlène ne va pas trop apprécier. T'aurais dit quoi? Ah bah voilà. Bien joué. Ah bah ça, c'est très bien joué aussi. Retour dans le présent. Joël. Il est bien son petit sac, bien pratique. Faut avoir la motivation quand même. Allez, c'est reparti. Ça a l'air calme. L'ennui commence. Ah, les ennuis commencent. Coyote Ugly, c'était démodé à la sortie. Moi, j'ai bien aimé ce film. Ah, c'était pas du gros niveau, hein, mais... Oh, merde. Ah, bah cool, ça. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Rien à carrer du vieux schnock et de la gamine. Ouais, plus vite on les retrouve, plus vite on peut se tirer. On commence par cette zone. Je vais voir par là. Va voir derrière. Let's do it. Ah, ça, ça fait du bien, ça. Exactement. Ah, attends, parce que comme j'ai plus le sensor, ça va être chaud de pas se faire repérer, quoi. Putain, il y en a un là-bas. Ok. Forte. Et c'est par là.
cool. J'ai trouvé le bon truc. Oh, quel côté. Bah plutôt par là. Oh, merde. Dictaphone. Merci l'écorcheur pour le follow, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'avoue que c'était une excuse pour regarder les petites filles. Les belles filles, pardon. Oh là là là. Alors, je vous fais écouter ça. Encore une fois, ça sort de la manette. Non, non, les belles filles, Lina, les belles filles. En train de se transformer, je pense. Merci l'écorcheur. Bon après-midi à toi aussi. Bon samedi, puis peut-être à dimanche si jamais tu passes dans le coin. Je pense que je continuerai le jeu dimanche. Parce que là, je vais pas tarder non plus à arrêter. Oh. Ah la vache. C'est ultra crade. Il me manque un bras. Je peux même pas faire. Ah mince, j'ai pas écouté jusqu'au bout. Ça l'a coupé. Ah, c'est pas grave. Je pense que je vais les laisser s'en occuper. Ah, je sais. Allez les gars. J'adore. Trop génial. Ils arrivent pas à le tuer ? Oh my god, les gars, faut acheter des yeux. Il va se faire gauler. Ah, il est là. Il y en a plus qu'un. Ils sont morts. Déployez-vous. Ratissez la zone. Il y a encore des saloperies. Non. Ok. C'est bon. Le ménage est fait. Et ça, c'est cool. J'ai réutilisé une flèche. Et je vais pouvoir récupérer des armes. Non ? Attends, je suis sûr que je peux récupérer des armes.
Déjà, je peux récupérer ma flèche. Moi, je dis là, c'est bien géré. Hein. Chapeau bas, l'artiste. Je m'auto-congratule, hein, du coup. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs, non? Non, ça a l'air d'être tout. Je peux toujours pas faire un kit de soins. Non. Allez, on récupère pas grand chose en fait dans l'histoire quoi. GG Nidrine pour le level up. GG. Ah. Presque. Je vais devoir faire le tour. Allez, le tour par où? Bonne question. Je lis la pub. C'est un mec par terre? Ah non. On peut passer par là, je pense, parce que là, du coup, là, c'est fermé. Ouais. Ah, peut-être par là. Ah. Non, toujours pas. Il en manque un petit peu, hein. Ok. Oh, un écran 4K. J'entends du bruit. Ah, c'est cool ça. Des bruits et c'est pas cool. C'était quoi? Il y a des mecs qui descendent. Pareil, on va jouer. Attends, faut que je sois sûr de mon coup. Oh, putain. Ça marche, mon petit Nidrine. Mais écoute, bon achat des boosters. Allez. Voilà. C'est parti. On est un infecté. Entretuez-vous les nazes. Moi, je suis très bien là où je suis. J'adore ça. Bah, pas non, moi non plus, hein, Nidma. Midi 40. Je vais avancer encore un petit peu, mais je pense que je vais pas tarder non plus. Et j'adore tellement ça, je trouve ça d'enfer. On va le laisser se faire bouffer, je crois qu'il en reste plus qu'un. Par contre, il y a beaucoup d'infectés. Salut Yog, comment tu vas? Ce que je peux faire, c'est laisser repartir les infectés dans la pièce d'à côté. Par où il repart, lui? Je
il est pas mort. Putain, ils comprennent. Ah, fatigué. Bah écoute, ça va, fatigué un petit peu aussi quand même parce que j'ai joué à Final Fantasy jusqu'à 2h30 du mat. Mais c'était cool. Je peux faire un headshot là-dessus, moi, avec l'arc. Ok, il repart. Parfait. Je peux pas récupérer ma flèche. Non, elle est pétée. Discret. Ils sont arrivés de par là. Ça va les occuper 5 minutes. Hop, nickel. Attends, je voudrais vérifier ce qu'il y a quand même ici. Non, il n'y a rien de spécial. Ok, donc c'est bon, on continue par là. Ah, cool. Ça va me défouler. Oui, c'est clair. Pas de soucis, Linma. Mais en tout cas, merci encore de l'avoir cute. C'était efficace. Ok, on arrive ici. Bah, c'est retour au début, en fait. Parce que c'est American Princess. Ouais, je suis retourné au début. Ah, mais non, mais c'est là où j'étais dans le... Attends. Si, c'est ça. Hey, j'entends ce putain de cheval derrière. Aidez-moi à ouvrir ça. Oula. Merci, Linma. Bis, bis. À plus tard, ouais. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Faut que je les tue. Ellie, tu dois faire quelque chose. Fais dodo. Ah, c'est pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Salut MCH, comment tu vas? Ouais, hyper bien le inside, ouais. Et il est magnifique ce bouquin. Ah, j'étais hyper content d'avoir préco chez Micromania aussi. Après, si tu précommandais chez Amazon, t'avais un jeu, carrément. Un jeu en 2D où tu joues le prince Régis. Le prince, le roi Régis. Donc classe aussi quand même.
quelque chose? Oh, foiré. Nous portons. Et merde! Ah, c'était beau! Ouais, pareil, je préfère le bouquin aussi. Je suis très content. Oh, le headshot, c'était magnifique. Je descends par là. Merde, merde. Je sais pas où ils sont. Là. Que tu crois, mon petit gars? Il m'a cramé. Ça va. Brûle du camp. Tu vas brûler. Ah. Il a bien réussi. Et merde, c'était bien pensé. Ça va, là tu peux pas fuir sinon ils peuvent tuer Joël, d'accord. Ouais, je découvre le jeu hein, du coup. Et l'extension par la même occasion. Ah, il faut que je trouve un moyen pour les buter discretos. Tu dois faire quelque chose. Il compte celui que j'ai tué là? Ouais, il compte. Ça c'est cool. Ah putain, j'ai presque pas de balles. Et eux, ils ont rien. Si. Une flèche. Ça va vraiment être chaud. Merde, ça l'a pas tué. Ah, c'est chaud là. Salut Resto, comment tu vas? Non, il est ultra fan Cyril Yog. Oui, ils essaient d'ouvrir un volet, ouais. Mais justement, il faut absolument, ouais, il faut pas les laisser ouvrir. Mais par contre, il faut que je réussisse à les tuer du coup. Il en reste un?
suis bien dans la merde parce que je vois pas où il est l'autre. Ah ici, ok. Je crois que je les ai tous eus. Nickel, je crois que je l'ai trop géré. Yes, cool. En bas, près de merde, la porte. C'est pas fini. On la tient cette fois, butez-moi ça. T'as de con. Bon, vous voulez jouer à ça? C'est parti. Ça va être chaud là. Et merde. Oh, je tiens cette saleté de gosse. Et merde. Mauvaise idée. Un peu KO? Pourquoi t'as joué toute la nuit, non? Putain, je le rate. Attends, je recommence. Ça sert à rien. Allez, on refait. Ah, ils sont brutales, n'empêche, avec la gamine. Allez, on retestera un dernier coup. Je suis sûr que je peux me les faire mieux que ça. Il y en a quand même pas mal en haut, hein, par contre. Ah, je suis dégoûté, ça le touche pas. Ouais, ça marche pas. Ok, allez. Brûlez vive. Salut Guillaume, comment tu vas? Salut War Demigod, bienvenue sur le stream. Ah, t'as repris Crysis 2, d'accord. Bah, attends, je pense que je peux les avoir ici, moi. Si je me débrouille bien. Voilà. Voilà. Putain, ça le tue pas, hein, par contre. Ouais, là, je perds trop ici. Ok. Tu penses qu'il faut tracer direct à l'étage? On va tenter ça, quand même. Oh non, c'est pas une bonne idée. Il y a trop de monde à l'étage. C'est pas une bonne idée. Non, je pense que vaut mieux assurer le coup et d'abord se débarrasser de ce qu'il y a en bas. Volonté.
Bon, ce qui est juste chiant, c'est que ça le one-shot pas en fait. Non, ça marche pas. Ah, je pense qu'il y a un escalier à passer pour passer sur la droite. Attends, je vais regarder. Ah oui, d'accord, ok. Bien vu. Après, faut... Là, je suis dans la merde. Ah non, t'as carrément raison. Je l'avais pas vu ce passage-là. On va se le refaire en moins... Voilà. Merci Draco, merci MCH. Effectivement, ça va être beaucoup mieux. Je me suis quand même pris une balle là, mais bon. Oh! Le truc, c'est que je vais pas avoir assez de balles en fait. Ah, ils m'ont pas vu prendre les escaliers là. Faut pas que celui-là il me voit en fait. Faut croire. Donc là, si ils m'ont vu. Risque de me faire gauler. D'accord, par derrière. Sur le principe, du coup, j'avais le fusil après, c'était pas mal. Bref, faut que j'attende, en fait, faut que j'attende. Monter par les escaliers, tuer un des mecs qui a les fusils, fusils d'assaut, et du coup, je serai beaucoup mieux pour viser après. Pousse indien. Attends, je tente par là quand même. Ah, il y en a partout quoi. Ah oui, ils me poursuivent, ils me voient hyper facilement quoi en fait. GG Cyril. Merde, lui il m'énerve en fait. Ce qu'il arrive, c'est pas normal. Il faut que je le stoppe en fait. C'est lui qu'il faut que je tire à la flèche. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allons à l'étage.
dessous. On gère la fille. Tu ouvres la porte. Pourquoi elle vise plus ? Lol. Bah c'était presque ça. Là, ils m'ont repéré, c'est mort. Eh merde! Ah mince, c'était bien parti! Ah bon? Il a eu l'autorisation comment? Ah, je veux bien savoir, le best. Ça m'intéresse. C'est le moment ou jamais. Ah, il faut que je tue les infectés aussi ? Yeah.
Je vous conseille pas d'essayer de me piéger. Ou vous finirez comme vos potes, c'est compris? Ouais. Ah, ça a l'air d'être bon. Ouais. Non, c'est DJ Kanjo. Donc DJ Kanjo, il arrive à streamer. Bah écoute, peut-être que ça va se débloquer. Moi, j'ai bon espoir, l'Obest. Hein. Ça se trouve demain. Ça se trouve demain, ça sera bon. Hein. Ah bon. Bah écoute, je sais pas trop, on verra bien. Ça va peut-être débloquer d'autres trucs pour les autres. Ouf, on a réussi la séquence. Bon bah c'est cool. Petit à petit, je pense que ça va se débloquer, tu vois, le best. C'est pas... J'aimerais bien que demain ce soit débloqué, comme ça on pourrait le streamer demain. Ça m'irait bien. Vas-y, bloque la porte. Ellie. Ah là, faut courir. Et nos sacs à dos. On s'en bat l'œil. Oups. Je suis peut-être pas loin de la fin, remarque là. Hein. Oui, c'est débloqué le 29, c'est pas la fin du monde, c'est clair. Trouve-moi un truc pour la tenir, je la tiens. Dépêche. Là, il y a quelque chose. Oui, j'arrive. Voilà, okay, c'est bon. Non, c'est pas... On se tire. Oui, bah c'est ce que je fais, hein. C'est ce que j'ai commencé là justement. Mais je voudrais pas avancer trop pour pas avoir trop à refaire, tu vois, non plus, parce qu'il y a pas mal de trucs où c'est du... T'as du... Pas du pex, mais t'as des... Ouais, je te suis. Ouais, je suis juste derrière toi. Allez. Continue. Run. Ah putain, avec les ombres et tout, c'est flippant. Ah, allez. Allez, voilà. Voilà, allez. Tiens, mange ça. Bienvenue Minecraft, bienvenue sur le stream. Bienvenue à toi. L'échafaudage. Go. C'est la porte de sortie. Voilà, ça run. Infecté. Il y en a derrière aussi. Par ici. Cours. Ouais, je speed. Approche. Viens par là. Go. Wouh. T'as... Il y a une fenêtre ouverte. Ah, c'est l'aube. Faut y arriver. Plus haut, je t'attrape, je vais tomber. Ah merde. Oh, putain la vache. Ah bah c'est Marlène. Ah non, c'est Riley. Je pensais l'avoir plus vieille. Oh, cette séquence. Oui, c'est vrai, Yogi. C'est bon. T'as raison. Complètement. Ellie, ton bras. Voilà. Non. Ah merde, sa copine s'est fait mordre aussi. Ah, on est peut-être pas loin de la fin. Hein. On est peut-être pas loin de la fin. Ça va pas être agréable. Garde ton calme. Du calme. Oh, la petite aiguille là. Oh, ah, j'aime pas ça.
Heureusement, on voit pas. Ah bah t'es obligé de tuer sa pote en fait. Ça va être horrible. Il y a plein d'autres trucs que tu peux casser là-bas. De mon point de vue, on a deux options. Option 1. Rapide et indolore. C'est la solution de facilité. Je suis pas très fan de l'option 1. Option 2. 2. On se bat. On se bat pourquoi ? On va devenir des monstres de toute façon. On a failli mourir des millions de fois jusqu'ici. Et on a un million de façons de mourir d'ici demain. Salut Van Butien, bienvenue sur le stream. Pour chaque seconde, ça fait plaisir. On peut encore passer ensemble. Merci pour le follow Minecraft. Merci à toi. Deux minutes. Ou deux jours. Je l'ai fini MCH. J'ai fini dans l'histoire. J'ai fini le jeu avant de faire le DLC. Je crois. Je l'ai fini hier soir. Qu'on va juste attendre là. Excellent ce jeu. On peut se la jouer romantique et perdre la boule ensemble. Et je referai avec grand plaisir le jeu. Ouais. Il est exceptionnel. Et l'option 3. Désolée. Regardez l'obèse quand même si DJ Kanjo il se fait pas ban. Allez. Parce que je le suis aussi moi. Tirons-nous d'ici. Donc s'il arrive à streamer toute la journée. Ah yes, ok. Ah donc effectivement c'est très court. Hein. On l'a fait sur un stream. Donc c'est peut-être même moins de 3 heures, quoique j'ai peut-être commencé... Si c'est ça, ça fait 2h45, 2h50. Bah pas mal quand même, pas mal du tout. Hein. Ouais, bah ouais, parce que j'ai pas tout débloqué d'ailleurs. Le jeu principal j'ai adoré, et tu vois le DLC est très très sympa aussi. Beaucoup trop court par contre. Ouais, mais après, tu vois, est-ce que Twitch... est-ce que ça va suffire à Twitch, tu vois, s'il balance des bans? Je pense pas qu'il fasse le cas par cas à une personne. Enfin, on va bien voir. Ça fait combien de temps qu'il stream, là, du coup? Moi, je pense que ce qui est bien, c'est que ça peut être la porte ouverte pour pas mal de personnes, quoi. Dommage par rapport à quoi Minecraft? Par rapport à la possibilité qu'il ait le droit de le streamer ou par rapport à la fin du jeu? Ah d'accord, ok. Oui, les 8 gigas sont longs. Hein. J'ai mis du temps hier soir. Par contre, je pense que cet après-midi, je vais réessayer le jeu en FF15 en français pour voir ce que ça donne. Parce que les voix jap sont canon. Mais ah, le jeu est fini, ouais. Et tu sais qu'ils préparent le 2? Ils sont en préparation de Last of Us 2, ouais. Donc peut-être qu'on en apprendra plus, du moins sur la fin de Last of Us 1. On en apprendra peut-être plus dans Last of Us 2. C'est fort possible. Je sais pas du tout où ils sont au niveau du développement, par contre. Ça, je sais pas. Puis bon, d'ici là, t'as tellement de bons jeux que c'est pas un souci. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de streamer l'extension ce matin avec vous. Courage, Cyril. Courage. Ouais, j'ai mis 2h10, je crois, à télécharger les 8 gigas. Après, moi, j'ai qu'une ADSL, donc...
Par contre, pour ceux qui sont en PS4 Pro, pour FF15, le patch de la PS4 Pro n'est pas encore sorti. Ce qui fait que quand tu essayes de te mettre en HQ, au niveau du... Tu sais, en fait, tu as le choix entre finesse ou fluidité. Si tu te mets en finesse, il y a du... Comment, du frame passing. Donc tu as une impression en fait de ralentissement permanent dans le jeu. C'est pas très agréable. Donc tu peux jouer pour l'instant qu'en light quoi. Dès que le patch par contre sera sorti pour la PS4 Pro, on pourra tourner en 60 FPS. Donc ce sera chouette, mais il faut attendre encore. Mois de décembre, le patch. En attendant, quand t'es en mode fluidité, t'es en 30 FPS avec aucun... T'as aucune chute, hein. Y a pas de souci. C'est parfaitement fluide, nickel, voilà. Il en faut des gens pour faire un jeu quand même. C'est toujours le truc qui m'impressionne. Cet après-midi, je vais voir. Soit je continue un petit peu sur FF, soit j'essaye de lancer un stream sur Vandalurks. Ou quoi qu'il arrive, il y en aura un demain matin, ça c'est sûr. Demain matin, demain après-midi, je pense que j'en relancerai un, ouais. Puis dès que la voie est libre pour Twitch, eh ben, on essaiera de lancer sur FF15 aussi. Je vais surveiller ça. Moteur Avoc. Il est bien ce moteur de jeu. Alors, est-ce qu'on a débloqué des trophées? Même pas.